douche très passionnante. Très rapide par contre. Oh, il s'est douché avec le maillot. Ok, très passionnant ça aussi. On va enlever le sang. Ah non, c'est pas du sang, c'est des entailles carrément. Ok, bon, on va se penser tout ça. Back. Hong back is back. Ok, maintenant on peut aller s'habiller. Allons s'habiller de ce pas. Police de New York, veuillez ouvrir la porte. Prêt? Raté. Ces images dans ma tête, je suis en train de perdre la raison. Voilà, donc là c'est la première QTE que j'ai eu. Ça me fait un peu, je me rappelais plus du tout, donc ça m'a fait un peu sursauter. J'ai pas trop compris ce qui se passait. En fait, le carré de, enfin le, les quatre et quoi, quatre boutons à gauche et quatre boutons à droite. C'est censé représenter bah, les actions contextuelles que vous devez faire. Donc en l'occurrence, bah, moi avec les touches directionnelles gauche et le pavillon numérique droite, j'étais censé reproduire ce qui s'affichait. Donc je vais avoir une case de plus à mon avis après. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il fait froid chez moi. Il y a trop de bruit. Il y a un flic à la porte, il peut bien attendre. On va manger un petit peu. Ah, oh, il y a un bouffé là-dedans. Merde. Attends, je vais boire du milk. Du lait. C'est bon le lait. Glou glou. Ah merde, il y avait des médicaments et alcool. Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a de l'alcool? Plus 5. Yeah. Ah bah voilà. Médicaments plus alcool. Je tue mon personnage. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Ah merde! J'ai mélangé de l'alcool et des médicaments. J'ai perdu connaissance. C'est un accident. Aux yeux du monde, je n'étais qu'un meurtre. Débat. Bon, bah... Ah, fais chier. Bon, on recommence tout. Les draps sont pleins de sang. Ah, fais chier. Bon, ne plus faire des conneries. De manière, je n'ai plus sommeil. N'importe quoi. Putain, Tommy, quoi. Hey. Ça cachera le sang sur les draps, au cas où quelqu'un entrerait dans la chambre. Bon, on va laisser la vie direct. Tac. On va pas faire les fenêtres, pas que ça va foutre. Allez, passe direct. Oh. C'est nouveau ça. Ah mais arrêtez. Hey Marcus, tu veux quoi? Ah viens voir. Tu te descends Marcus? Lucas, je suis content de t'entendre. J'ai essayé de t'appeler pour savoir si tu voulais qu'on aille ensemble sur la tombe de papa et maman. Et pour être franc, je me suis dit aussi que c'était une bonne occasion pour reprendre contact avec toi. Il faut qu'on se voit, Marcus. J'ai de graves problèmes. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Oh, t'as des problèmes? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux rien te dire au téléphone, mais c'est sérieux, Marcus. Je t'attendrai dans une demi-heure au parc. A tout de suite. Ok. Bon. On va y arriver, j'ai vu qu'il y avait une lettre. Je vois plus rien. Si voilà. Ah, c'est le journal. Un meurtrier! Non, c'est pas ça. Carnage dans un. Ah si, merde. Un meurtre particulièrement horrible a été commis la nuit dernière dans les toilettes d'un restaurant. L'assassin serait un homme dans la trentaine de taille moyenne. Non, non, non. Avec les cheveux. Ça déprime tout ça. Bon, là. Qu'est-ce qu'on veut?
Hey, relavage. On sort de la douche. J'ai l'impression d'être comme d'hab au boulot quoi. Donc là on passe direct le pansement, il n'y a pas besoin de se rincer les mains. Voilà, on se pense. Ah là, vous allez avoir votre brevet de secouriste. Hein. Yeah! On back is back encore! Allez, ferme-moi ça. Oh, putain. C'est la deuxième fois qu'il est, c'est la deuxième fois qu'il me fait peur. Tiens, pour la peine, je vais aller pisser dans les chiottes. Ah, c'est ça, mais énerve-toi. Oh. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Y'a rien. Non, allez hop. Allons nous habiller de ce pas et sans faire de conneries. Ah, j'ai pas pris les médicaments tout à l'heure. Ça va peut-être l'améliorer. Mais sans prendre l'alcool par contre. Médicalement. Voilà. Voilà qui devrait soulager ma migraine. La notice précise ne pas prendre avec de l'alcool. C'est faux. Ça fait rien l'alcool. Le mec qui est mort juste avant. Ouah ! Comment il se tape un sprint lui ? Ok. Habillage, habillage. Fermeture. C'est bizarre qu'il n'y ait pas encore eu le flic. Il est tout fermé. Fait chier c'est con à dire. Ah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas encore eu le flic. Voilà. On va boire du lait. Et après, bah, on va aller au parc. Allez. Il n'y a rien à manger dans son frigo. Il y a des trucs avec du lait. T'as mangé quoi hier, du lait? T'as vu quoi hier? Du lait. Carton. Bon alors. Oh! Ça, ça craint ça. Les vêtements que je portais hier soir. Ils sont couverts de sang. Faudrait mieux que je ne les laisse pas là. Ah oui, viens-les. Mettre dans la machine à laver. Ah bah tiens. Je crois que j'ai un esprit criminel. Ça me rassure pas par contre. Lave-le. Mets de la lessive. Mets de la lessive, feignasse. Bon, pour la peine, je vais pisser. Voilà. Et tu relèves bien la cuvette. Hein. Bon, on va peut-être pouvoir y aller. Il n'y a plus le flic derrière. So let's go. Fermé. J'ai dû poser les clés quelque part dans l'appartement en rentrant hier soir. Je pose sur la table. Quand je suis bourré, je fais ça. Police de New York, veuillez ouvrir la porte. Oh putain. Oh j'ai réussi. Oh c'est vachement rapide par contre. C'est quoi ça? Restez où vous êtes et levez les mains en l'air. Ces images dans ma tête, je suis en train de perdre la raison. Eh non, y'a rien ici. J'ai tout caché. Merde, j'ai pas les clés. J'ai dû poser les clés quelque part dans l'appartement en rentrant hier soir. Le flic il va s'énerver. Merde, tu me fous les clés. Pas un porte-clés comme tout le monde, cet abruti.
Attendez, monsieur l'agent, je cherche avec lui. Sur la table? Ah, là, il y a un truc. What is it? Yeah. Oh, putain, ça c'est de la clé. Hein. Le jour où j'ai mis une clé comme ça. Ah, bah il s'est barré. Il suffisait pas de lui ouvrir, c'est tout. Police de New York, veuillez ouvrir la porte. La police, ils savent, ils viennent m'arrêter. Vous êtes bien, Monsieur Kane? Oui. Monsieur Kane, des voisins ont entendu des hurlements en provenance de votre appartement. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, c'était moi. Je me suis bêtement blessé avec des éclats de verre et j'étais un peu affolé. Mais rien de grave, heureusement. Ça vous embête si je jette un œil dans votre appartement? Non. Ok, allez-y. Mais dépêchez-vous, hein, j'ai rendez-vous au cimetière. Avec ton cadavre. Qu'est-ce qui est arrivé à vos poignets? Je vous l'ai déjà dit, c'était un accident stupide avec des éclats de verre. Ben dites donc, quand vous vous coupez, vous faites pas les choses à moitié, vous. J'ai tout caché là. C'est jamais. Merci pour votre collaboration. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Vous savez ce que c'est. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on préfère être prudent. Je comprends. Bonne journée, monsieur Kane. C'est ça, va-t'en, poulet. Oh, c'était chaud. Ok. Ah, ça, je dis. Ah non, je vais dire, ça mérite un verre d'alcool. Par contre, ça mérite un verre d'eau. Je crois que j'ai vu un verre d'eau au passage. Ah, voilà quelqu'un de bien. Y'a quoi là-haut dans le placard? Oh non, j'y suis. Oh, c'est quoi ça? Police. De l'eau. Oh, mais fais la vaisselle. C'est dégueulasse. Avec les médicaments, c'est mieux. Que de l'alcool. Pochetron. Voilà, plus 5. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah, y'a un autre placard. Ah, il y en a partout. Non, c'est pas celui-là, moi, je veux. Celui de gauche. Là. Non. Ah, il y en avait trois tout à l'heure. Ah, c'est le verre d'eau. Putain, j'ai bien vu trois trucs tout à l'heure. Suis-je fou? Ah. Là. Ah ah. Oh oh, c'est rien. Les frigos, il y a toujours, c'est toujours pas rempli? Non, bon. Non, c'est bon, tu as arrêté de boire du lait, le mec, il va se transformer en lait. En bouteille de lait. Alors, normalement, si je me rappelle bien, on peut faire les Sims. TV. Là, ça va servir à rien, en l'occurrence. En fait, si on peut s'entraîner pour les QTE. Tiens, un corbeau. Ah, c'est le corbeau de... Qu'est-ce qu'il veut, ce connard? C'est froid.